Coucou. Ah ouais, tu vois, regarde, ça y est tassé. Bonjour à tous et à toutes. Attendez, je remonte un peu. C'est bien ? Ça tremble ! On est très bien. Ah, là, c'est mieux. C'est bien ? Ah, je suis cadreur. Coucou, donc voilà, ce sera pour les produits. Fini ! Il est temps, hein, parce que j'en avais marre. Il y a deux sacs pleins, enfin. Ouais, elle aime bien garder autant de saloperies. Bah non, mais c'est moi qui les mets dedans, donc déjà. Moi qui pense. Il y en a plein. Donc faut qu'on parle un peu plus fort parce que mon téléphone est moins c'est de la fort merde que le tien, j'ai l'impression. Ou, je sais pas, j'avais peut-être pas mis le son à fond. Non, mais quand tu parles comme ça. Oui, je parle tout doucement, je sais. T'as une voix toute douce, c'est sûr. Bah oui. Mais bon, c'est saoulant. Pourquoi c'est saoulant? Parce qu'ils t'entendent pas, les gens. Aïe. Touche pas mon gras. Donc voilà, allez, on y va parce qu'il y en a pas mal quand même. Qu'est-ce que je disais? Donc Sam. Mère Poulard. La mère Poulard, comme d'habitude. Donc ça, c'était les petites galettes, non, les petits sablés, donc... Très très bon. Très très bon. Bah, c'est la mère Poulard. Hein, c'est là. Monsieur qui les a mangés. Hein. T'en as mangé aussi. Ah non, parce que là, j'ai pas vu la couleur. Ah, t'as pas le droit de façon de voir la couleur. Donc voilà. On a pris la petite Mamie Nova, chocolat menthe. Franchement, c'est une tuerie. Ça fait un peu comme les After Eight. Donc c'est un lot de deux, par contre. Hein. Il n'y a pas grand chose, mais ils sont trop bons. Ouais, on est parti dans les glaces. Les glaces, vas-y, il y en a plein. Donc les glaces, ça c'est de la marque Repère à Leclerc, de la marque Trium. C'est comme des Magnum à la menthe chocolat, donc c'est à peu près le même genre, en moins cher bien sûr. Ah bah oui, c'est marque Repère. Et il y en a combien dedans? 4. 4 dedans, ouais, ouais, c'est ça. Et ça c'est très très bon, je vous conseille si vous aimez la menthe chocolat. Ouais. La Portif, on avait pris vanille fraise, ce qui est pas mal avec ça. Ouais, c'est celles-là aussi. Celles-là, elles sont vachement bonnes. Donc, la marque Repère. Il y en a 4 aussi, c'est marque Repère, encore, on voit encore le logo là-haut. De la marque Smithy, donc vanille fraise, c'est très très bon. Tiff, ça n'est pas plein, et moi non plus, j'en ai mangé avec elle. Les Mr Freeze, bah rien à dire, comme d'habitude, hein, ouais. Tout le monde connaît. Là, c'était au Big Pop, il y a 20 sucettes dedans, donc voilà, parfum citron, fraise, framboise et coca. Et tropical aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Donc rien à dire, c'est très bon. Rien à dire. Rien à dire. M&M's, c'était pour Alexis, bah du coup il les a ça, tous plongés. Bien, hein. Donc il y en avait 4 à l'intérieur, donc vous avez, je sais pas si on voit bien le logo. Vous voyez les morceaux des M&M's qui est un peu à droite à gauche sur la glace. Ouais, mais bon, quand vous voyez là, vraiment la glace, il n'y a pas les M&M's qui ressortent. Hein. Ah, ça dépend de la couleur. Chocolat, on les voit bah, moins. Ah ouais, mais bon, c'est un mélange. Donc, les autres, on les voit plus. T'as encore des glaces. Hein, ouais. La marque Repère, toujours pareil. Donc celle-ci, c'est les celles aux fruits rouges, hein, à la vanille. Donc ça, c'est très très bon. Je vous conseille aussi, c'est très bon. Et ça aussi, il y en a 4 dedans aussi, pareil. Ça, c'est pour madame, les Magnum, donc cranberry. Là. Ça, c'est trop cranberry, bon. Pardon. Mmh. Je le prononce mal. Donc ça, là-dedans, il y en a 4 aussi à l'intérieur. Bah voilà, donc au chocolat blanc, elle aime ça, plus à la fraise, donc elle est très contente. Ça, c'est très bon. Très satisfaite. Donc là, c'est pas de la marque Repère, c'est la marque. Magnum, hein, quand même. Magnum. Moi, il n'y a que Magnum, j'en trouve. Donc. Pareil, le petit pot Magnum chocolat blanc avec des éclats dedans en vanille. Ça, c'est très très bon. Ça, je vous conseille si vous trouvez. C'est un peu cher par contre. Ouais, par contre, ouais, je le mange en deux fois, donc moi, ça ne me dérange pas trop. Mon petit plaisir. Alors, de la marque Repère encore, Trium, c'est pareil. Donc là, c'est fruits rouges à la vanille. Donc franchement, moi, j'ai bien aimé. Ça va encore. Avec Tiff, on les a bien mangés. Donc ça va. Très très bon. Et ça, là-dedans aussi, vous en avez 4 aussi à l'intérieur. La marque Extrême, ah oui, on a pris des glaces, mais il y en a pour plus d'un moment. Je crois qu'il y a plus d'un mois des glaces. Là, ouais, donc, ouais. Ça fait un moment qu'on les avait de côté. Donc la marque Extrême façon Morito. Bah, très moi, très bon. T'as... Ah si, t'as goûté aussi? Non. Moi j'aime bien du tout. J'aime bien du tout. J'aime bien du tout. Ouais. J'aime bien beaucoup. C'est très, j'aime, très très j'aime très beaucoup bien aussi par la c'est, c'est très très bon. Et un petit goût de rhum aussi dedans. Je sais pas si c'est vraiment du rhum, mais. Non, c'est une sauce au citron, je sais pas si sorbet de rhum avec une poêle de citron. Donc ah voilà. Ouais, bah, y avait pas grand chose. Elles, elles sont très très bonnes. Si vous voulez les tester, allez-y. Kinder Bueno, on les a trouvées. Donc on a testé, je les trouve très bonnes, mais sans plus. Hein. Ouais. Ouais. C'est pour les gamins. Moi, je sais pas, j'ai pas mangé. T'as pas eu le temps de goûter, Tiffany a tout mangé. Voilà. Ouais, c'est... Il y en a 4 dedans, par contre. Ça... De la marque Kinder. T'en as plus, toi, de glace ? Oui, il doit y en avoir encore plus d'autres traînées, je pense, je suppose. La marque Magnum, voilà, je vous disais, les Trium, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, il y en a 4 dedans aussi, ça c'est très très bon. On adore chocolat menthe, oui, donc ça c'est très très bon. Non, allez-y. C'est bon. C'est fini les glaces, on a fini. Les glaces, il n'y en a plus. Non. Alors, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de la. Merci, Tiff. Vous vous rappelez de la dernière fois, donc ça c'était les petites gaufrettes à la fraise qu'on avait pris chez Nose. Bah il y en a plus en fait. Non, c'est bon, ça va encore. Ah, c'est bon, c'est bon. C'était sec sous le cou, mais après ça se mange. Donc je testerai après celle au chocolat parce qu'il ne les mange pas, donc c'est moi qui vais les bouffer. Et là-dedans, vous en aviez 24 paquets, donc c'est pas mal. Ouais.
5 par paquet dedans. On avait pris ça à Tiffany, je vous mets le carton parce que du coup les barres de céréales elles sont encore dans le placard, elles ont pas bougé. Donc c'est qu'elles aiment pas. Donc à mon avis elle aime pas trop je pense parce qu'il y a de l'orange dedans. Donc je vais le goûter, aimer, je vous dirai si c'est bon ou pas vraiment, mais je crois qu'elle a pas trop aimé. Ou alors elle a pas eu le temps de goûter, mais j'ai vu que les trucs sont encore dans le placard. Ouais. Voilà. Vous avez peut-être pas vu, à suivre, et ça c'était chez nous je crois. Ouais. Donc chez Leclerc, j'avais pris ça pour ma femme parce que je sais qu'elle aime ça, les noix aux figues. Donc la figue, moi je l'adore, mais la noix, ça me donne des aftes, c'est pour ça que j'en mange pas. Oui, tu le sais. Hein. Donc un petit boursin aux noix et aux figues. Donc ouais. Ça, c'est un petit, hein, il y a 150 grammes à l'intérieur. Mais bon, sinon ça va, elle aime bien. Les petits gâteaux apéro, donc c'est un lot de 4. Ça, c'est la marque Repère aussi, pareil. Saveur bacon, les grignotes. Donc ça, c'est très très bon pour l'apéro, il n'y a rien à dire. Mais ça là-bas, c'est pas du carton. Je remercie encore Jojo et puis Aurel, donc Parisienne Makeup, de la chaîne Parisienne Makeup, qui m'avait offert donc le café Dolce Gusto Pérou. Et franchement, j'aime bien. Et il est très bien. Pour moi, j'adore. Il y a 8 doses à l'intérieur de chez Dolce, c'est très très bien. Merci encore à eux deux. C'est pareil, la Dolce Gusto, donc Dolce Gusto, pardon. Donc, Je vais pas donner l'accent, tu n'y arriveras pas. J'ai dit latte macchiato à la vanille, donc ça c'est très très bon. J'en ai acheté sur leur site directement parce que je ne le trouve pas en magasin, donc j'en ai acheté directement là-bas. Et rien à dire, c'est très très bon, je vous conseille si vous voulez tester. Pardon. Tiens, en fin de vie. Ouais. On pourra la mettre à la poubelle. Les petites creuses, comme d'habitude, ça c'est très très bon, rien à dire. Encore, elles sont rien à dire. Ouais, mais non, mais c'est bon en plus. Hein. Ah, pourtant, quand tu le dis, il y a beaucoup c'est de choses à dire. C'est top, 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 moi j'aime ça. Et j'en mange tous les matins. T'as copié le truc à Aurel. Aurel, c'est top, top, top. Donc, ouais. Ah, ça y est, ça va enfin pouvoir repartir. Ça, ma femme m'avait pris ça donc à la pharmacie, à parapharmacie, donc le Vichy. Et franchement, 3 en 1, il est bien. Il est bien, moi, bien. Le spa. Là. Ça huile la peau, parce que moi j'ai la peau extrêmement sèche, donc il me faut pas mal de huile. Il faut que je ressemble à un phoque pour aller mieux dans l'eau. Il sent bon en plus. Et moi, celui-là, non, franchement, super, ouais, c'est pas mal. Donc c'est ça à tester. Bon, par contre, mis à part les problèmes de bouchons, c'est un peu de la merdouille, je trouve. À chaque fois, t'as vu, il coulait. Ouais, parce c'est que tu fermes mal, il faut bien les fermer. Non, mais c'est un peu de la merde. Ça rigole pas. Du Toblerone au chocolat blanc, rien à dire, hein. Comme d'hab. C'est bon, et voilà. Ouais, mais maintenant, tu n'as plus le droit. Non, c'est régime. Upsheet, ça c'est chez Action, ça? Oui, il est très très bien. Action, le Picsheet. Ah, il y a encore du gaz dedans, mais il n'y a plus de produit. Ouais. Ah, il n'y a plus rien. Ça sent encore. Et il y a encore le produit. Ah, et qu'ils entendent, il y a encore du gaz, mais il n'y a plus de produit, c'est dommage. Donc celui-là, c'était à la fleur blanche. À la fleur blanche, et franchement, il sent très bon. Je zoome pas, elle n'a pas mis un automatisme. Le produit de chez Action, donc pour le déodorant, pour le lave-vaisselle, rien à dire, ça fait son boulot, hein, voilà. Ouais, ça va. Nickel, hein. Mmh. Là, celui-là, ils sont au citron. Donc il y a 2 recharges dedans, mais je crois qu'on a changé l'autre fois, il est déjà fini. Alors, encore chez Action, ma fille avait testé donc les chaussettes, c'est ça vraiment, c'est les chaussettes, ça. Ouais, chaussettes anti-collosité, là. Ouais. Donc ça lui a fait pas mal de peau. Donc je sais pas si ça lui a fait du bien au niveau de la peau, mais bon, ça s'en est pas plein, hein, je crois pas. Elle se peignait comme quoi elle avait trop de peau qui dépassait. Ouais, mais c'est bon, bien parti et là c'est bon, ça revenait normalement. Voilà, au bout de 15 jours, ça revient normalement. Donc à voir. Enlever tout surplus de peau entre autres. Voilà. De la marque Guyoderma, donc ça c'est un shampoing que j'avais acheté en parapharmacie, pareil, ou à la pharmacie, je ne me rappelle plus, pour les cheveux, parce que ta maman t'arrêtait pas de te gratter la tête. Donc j'ai pris celui-ci, donc rien à dire, ça marche très très bien. Polo cool. Et donc c'est ce cheveux à tendance grasse, même pour moi j'avais testé, donc très très bon produit, rien à dire. Par contre le prix, pas donné quand même. C'est pas donné. Je suis fragile moi. Ça, ma femme, je sais pas si vous vous rappelez, elle m'avait pris ça donc chez Nose, donc à 2,70€ parce que je l'ai sous le pif, je vous le dis. Il y avait 3 sortes à l'intérieur, donc il y avait pistache, il y avait chocolat et cranberry. Donc voilà, les 3 sortes. Donc il y avait 9 trucs à l'intérieur. Et franchement, c'était bon. À part la pistache, moi je suis pas trop adepte. Aux amateurs, hein, bien sûr. C'est ton truc, ça. Ça, donc ça c'était chez nous, ça aussi. Oui. Ouais, donc 88 centimes la plaquette de chocolat. Au chocolat noir, moi qui suis pas trop adepte du chocolat noir, ça a été. Oui. Franchement, ça a été. Donc là-dedans, vous avez du raisin, de la noix et de la noisette. Voilà.
Pas de la noix, qu'est-ce que je raconte? De l'amande, autant pour moi. La petite bouteille Lipton Mojito, donc ça c'est 1 litre, ça c'est très bon. Moi j'en prends à chaque fois, c'est très peu calorique, donc ceux qui font un régime ou qui surveillent leur poids, donc voilà, allez-y, c'est du thé façon Mojito, mais sans bulle. Sans bulle, voilà. Voilà, très bien. Daily Choc. Tu fais un délit, tu fais un choc. Trop fort. Ça c'était pour Alexis, ça. Oui, c'est pour le moment. Dégage la bouche. Donc bah, celui-là, Monsieur Chocolat, de toute façon, vous savez, hein, Monsieur Ketchup, Monsieur Chocolat, bah voilà, hein, il aime ça. Entre ça et puis les Napolitains aussi, il adore. Ouais. Le sucre Canderel, ça c'est pour moi, donc à la vanille. À la vanille, toujours aussi bon, et ça c'est très bien quand. Combien il y a de dosettes là-dedans? Je sais pas. Il dit qu'un stick, ça équivaut à 2 cuillères à sucre de coloris. De sucre. Et il y a 50 sticks dedans, ouais, quand même, donc on fait un petit moment avec. Ouais, c'est clair. Alors ça, donc ça c'est à Bamako en fait. Là on retourne chez Bamako. Donc, ouais, c'est des yaourts. Amo. Donc des yaourts, Maminova, crème fruit, vanille fraise. Non, c'est Leclerc ça. Non. Si. Vu le prix, non, je crois pas. Si. Si. T'es sûr que c'est pas Bamako? Non. Ah bon, bah c'est Leclerc alors. Donc de la Maminova, hein, comme je disais. J'avais fait tester. Cela, tu t'as trouvé bon toi? Moi j'ai pas trouvé terrible. Bah t'es difficile toi. Donc par contre c'est en lot de 2 à chaque fois, hein, ce qui est un peu chiant. 1,54€, ça fait un peu cher les deux yaourts, mais bon. Sinon, à Bamako. C'est vanille fraise, cela. Oui, rien. Vanille fraise. Ouais. Vous avez le coulis de fraise au-dessus et la vanille en dessous. Mais j'ai mélangé et j'ai pas trop apprécié. Ouais. Donc là, c'est pareil. Menthe chocolat. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit quelque chose? Non, mais je baille pas. Non, où c'est que tu as vu ça? Je me permettrai pas, voyons. Donc ça, menthe chocolat, toujours aussi bon. Maminova aussi, encore, pareil. Très, très bon. Très, très bon. Donc vous les mettez bien au frais. Et franchement, ouais, quand il fait chaud, bon, ouais, ça fait du bien au palais. Pour ceux qui aiment ça. Ouais, pour ceux qui aiment. Maminova, c'est pareil, j'avais pris, vous l'avez dû voir dans le retour de course que j'avais fait de Leclerc. Donc c'était poire chocolat. Et bien, ceux-là, j'adore. On dirait vraiment qu'on mange une poire belle hélène. C'est très, très bon. Donc, moi, elle est belle haleine. Ouais, ça, c'est très bon. Une belle haleine. Ouais, c'est ça, une belle haleine. Activia à la menthe. Ceux-là, ils sont trop bons, j'adore. Donc, et où c'est qu'on avait pris ceux-là? Ceux-là, j'ai pris à Bamako, ceux-là. À Bamako. Donc, Bamako, pour vous, c'est mou, en fait. C'est un truc. Donc, ça, c'est thé vert à la menthe. Et franchement, elle a bien aimé. Donc, ouais, à reprendre la prochaine fois. Ça, c'est par contre, c'est vendu en lot de 4, là. Ouais, c'est les Activia. Ça, voilà. Le prix, on s'en fout. Hein. Ensuite, on reste encore dans la gamme des yaourts. Donc, des clafoutis à l'abricot. Voilà. Donc, ça, c'est en lot de 6, je crois. 4 pots. Et franchement, ceux-là, ils sont trop bons. Il y a clafoutis, donc à la cerise, à la pomme, à la poire, et au chocolat. Profiterole aussi. Ouais, il y a profiterole. Ouais. Ouais. Mais nous, on a pris ceux-là. Et puis, alors, en général, on prend souvent ces clafoutis à la cerise. Ouais. Parce que là, à l'abricot, toi, t'es pas trop, trop, t'es pas trop copine avec, je crois. J'ai mes Crip Crolls. Alors, tout à l'heure, c'était les dorés, et là, c'est les briochés. Ils sont très bons, je vous conseille aussi. Par contre, j'aime moins bien, c'est les au froment, là. Je trouve que ça a un goût bizarre. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mon truc. Donc ça, on avait acheté ça chez Nose. Donc à 99 centimes, il y avait deux sachets à l'intérieur. Franchement, c'est à faire, c'est bon. Oui. Très rafraîchissant, c'est vachement bon. Mmh. Donc vous avez le modèle derrière, même si vous voulez faire des petits ramequins aussi. Donc après, vous faites vos doseurs et tout le machin. Hein. Mais sinon, ça, c'est à prendre. Hein. Si vous le voyez chez Nose et vous le faites, franchement, c'est très très bon. Il nous en reste encore. Il nous en reste un. Et franchement, c'est super bon. Mmh. La marque les donuts, ça c'est un délice. Non ah ouais, hein, au gargamel en plus. Oh là là. Noisette, ceux-là, il est à l'autre, de goût barbecue, caramel, je sais pas quoi là. Là ils sont trop bons ces trucs-là. Donc, dès qu'on en voit, on en prend, mais c'est pas bon pour le régime. On le dit tout de suite. Hein. Ça c'est pas moi, c'est pas moi qui les ai finis. Non, mais c'est pas moi non plus. Hein. Donc ça, bon, du coup, c'est pour les gosses. Je pensais que c'était pour madame parce qu'elle, les brownies en règle générale, c'est une grande histoire d'amour. Non, j'ai pas goûté cela. Bah voilà. Donc ça, c'était... Il y avait combien de doses là-dedans? 6. Donc il y en a 6 à l'intérieur et franchement, bah, je sais pas. Il en reste dans le placard? Peut-être. Je sais pas, au fond du placard. Donc je pense que ça doit être bon ou si c'est pas bon, c'est que ça a dû rester dans le placard. Bah, mais bon, en général, c'est qu'il y en a plus, à mon avis. Ça veut rien dire, ils ont peut-être retourné l'emballage. Non, ah, bah, s'il y en a plus, ça veut dire que ça devait être bon. Donc, ça, c'est les sachets individuels et c'est vachement bien dedans. Comme ça, si vous voulez faire partir vos gosses en colonie ou autre, vous pouvez mettre ça dedans, c'est nickel. T'as rien d'autre après, t'as vidé ton sac toi? Bah, j'ai tout dit, t'as vu? J'ai vidé mon sac, j'ai tout dit.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vas-y, on finit la nourriture après. Nourriture. Alors, ça, c'est quoi? C'est une tablette de chocolat au marshmallow, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est chez nous encore. Donc, ouais. À 49 centimes la tablette, vous avez 90 grammes, ouais, c'est ça. Et marshmallow chocolat. Ça, il y en a encore à nous, j'en ai vu. C'est toi qui as mangé? Oui. C'était très bon? Ouais, je l'ai mis au frigo par contre. Ouais, parce qu'il y a un coup de chaud. Par contre, c'est un peu plus dur. Ça aussi, c'est chez nous qu'on avait acheté. C'est des mélanges de fruits mix, sauf de fibres. On n'a pas fait ça dans la salade? Non, j'avais mis en apéro et ça, tout s'est passé. Donc ça doit être bon. Non, c'est très bon. Je vous conseille, j'ai des fruits secs, sans sel, sans rien. Donc c'est très très bon. Elle n'a plus rien en bouffe? Ah, miracle. Elle n'a plus là? Maintenant, vas-y, imagine une fois qu'on a fini de bouffer, maintenant on se brosse les dents. T'as vu ça, échantillon de Cindy qui m'avait donné, Cindy, je crois. Ouais. Cindy Test, hein, si vous voulez voir sa chaîne aussi. Donc vous pouvez aller jeter un œil. Donc ça, c'est le petit signal à la noix de coco. Franchement, ouais, c'est bon au niveau des dents. Bon, ça fait du bien au niveau ça des dents. Ça change de goût à menthe. Donc c'est les petits testeurs. Hein. Bien sûr, c'est les petits produits de 16 ml. Mais on a fait combien de jours avec ça? Oh, quelques brossages, pas beaucoup. Oui, quelques brossages, ouais. Y a pas grand chose. 16 donc ml. Ça, j'ai vu que tout le monde avait apprécié. Nous aussi, je vais en acheter un plus gros parce que ouais. J'aime bien. Signal, hein, je précise. La marque Signal. Ouais, ça, c'est très très bien. Donc ça, on avait acheté ça à Action, il me semble. Ça, c'est Action, mignon, celui-là. Mignon, ouais, peut-être. Ouais. Action, ouais, 79 prix, centimes. Voilà. Donc ça, c'est 48 millilitres. Et puis ça, c'est... vous mettez ça dans les bouteilles, c'est ça? Oui. Je crois que j'avais dit. Les bouteilles. Vous mettez une petite, un petit coup de pression. Là. Il y a le bouchon, machin. Fruits rouges, je crois, non? Pas ça? Pastèque. Cranberries. Ouais. Watermelon et fraises. Ouais, watermelon, donc ouais, c'est ouais, ça, pastèque et fraises. Pastèque et fraises. L'adoucissant, je l'ai pris en berlingot pour c'est une ça. Fois, donc j'ai trouvé que ce parfum-là, parce que les autres parfums... Oui, parce que tu m'as engueulé, vu que j'étais en accident de travail, je faisais le linge, puis j'avais oublié de te préciser comme qu'il n'y avait pas d'adoucissant, donc je me suis fait incendier. Voilà, j'ai été chercher en urgence. Non. Du coup, j'ai pris un berlingot. Tu m'as même dit, ouais, bah heureusement que j'avais fait mon stock de ça. T'as oublié? Ouais, mais j'en ai plus, ouais. Bah là, c'est toi qui as fait la lessive, c'est pas moi, donc tu t'engueuleras toute seule. J'ai pas fait... Non, toi aussi, t'as fait la lessive j'ai cette fait... semaine. Ouais. Moi aussi, j'ai fait une fois. Donc voilà. Là, vous savez, moi, je fais tout, vous avez vu? Madame, elle n'est pas là, moi je m'occupe. Que tu fasses aussi, pas de raison. Ah bah oui. Pas que moi. Donc, la marque Soupline, ça c'est très bien aussi. J'aime bien l'odeur et c'est à diluer dans 2 litres d'eau et ça fait 27 lavages. Donc voilà. C'est fraîcheur parfumée. Il sent bon celui-là, j'aime bien aussi. Alors, pour nos greffières, ma femme a commandé ça sur Amazon. Donc, ça, c'est de la poudre à mettre en dessous la litière, donc les graviers ouais, que vous mettez là. Mais les graviers. C'est parfumé, donc c'est ça qui est bien. Pour empêcher l'odeur de remonter. Mais bon, au bout de quelques jours, ça sent quand même. Ouais, c'est clair. Donc, ça fait 400 grammes, mais bon, c'est bien. C'est efficace quand même. Ça atténue. Donc, ouais. J'avais fait un meuble pour les minettes, pour les trois morues, je peux le dire. C'est évident, elles sont chiantes. Au-dessus, il y a la bouffe, en dessous, il y a les chiottes. Mais bon. Comme ça, elles sont parfumées au passage. Bah non, c'est ça, c'est je devrais vraiment... mettre des trous d'aération comme ça remonterait. Ah non, arrête. Ça leur ferait les pieds. Donc 400 grammes et je sais pas combien tu achètes ça, ce truc là. C'est sur Amazon qui apprend ça. Après, je pense que vous pouvez plus prendre de les 8 euros, je crois. Ah ouais, c'est pas donné hein, en plus. Elle est chatte dehors maintenant. Mais on fait un bon mois avec. Ouais, mais elle coûte trop cher ces minettes là. Mm. C'est des chattes de luxe. Hein. Bah ouais, mais pour éviter que ça sente trop et qu'on fasse la litière moins souvent. Donc ça, c'est des sachets souples, hein, je précise. Ouais. Il n'y a pas de sac, hein, poubelle. Si, celui-là. De la mousse à raser de la marque Gillette. Pas pour moi. Non, c'est pour les femmes, celle-là. Donc, celle-là, très très bien, rien à dire. Ça faisait un moment que je l'avais en plus. Donc elles en ont plus, ça va être sur la mienne qui vont piquer. Non, faut que j'aille en chercher. J'ai oublié d'en prendre, tiens. On a vu comment tes jambes râpent, là, laisse tomber. Tu mais encore. Moi, je me mets du gel douche et ça part. Ah, pas moi, je suis fragile. J'ai pas besoin de mousse spécialement, donc voilà. Donc voilà, ça c'est très très bien, rien à dire. C'est la marque Gillette. Quel bouchon a récupéré, chérie? Ah, oups. Ah, c'est mal fait, celui-là. C'est quoi, c'est le shampoing, ça aussi? C'est du gel douche, je crois, celui-là, ouais. Moisissure, il y a marqué. La marque, je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'on voit rien, là, avec le contre-jour. Même pas, super. C'est de la marque Kératine, la marque B-Face. Ils vont pas voir. Désolé, il n'y a plus rien dedans, donc on va pas voir. Alors on voit un peu mieux. Donc ça c'est très très bien, j'ai vu qu'il y en avait en promo cette semaine à Action, donc si vous voulez essayer, j'ai oublié d'en reprendre, comme j'ai plein de shampoings, j'en ai pas repris d'avance. Ça c'est pour cheveux secs et ils sont très très bien, moi j'aime bien le rendu pour les cheveux après, rien à dire, j'en prendrai la prochaine fois. Je fais pas ces trucs. Et ça c'est le gel douche alcool, donc très chez très Nose. Bien aussi chez Nose, rien à dire, ça fait son taf et ça laisse une...
petite odeur de, d'argan hall, mais bon, voilà, c'est pas désagréable, ça change les autres parfums un petit peu de temps en temps. Voilà. Et c'est fini. C'est fini le temps. Bah, tu vois qu'il n'y avait pas tant que ça. Tu rigoles, ça a rempli les deux cartons. Tu rigoles ou quoi? C'est plein. Toutes tes cochonneries, là, me garder. T'as gardé le bouchon de la... du truc? Non. Ah, il pensait à le garder? Non. Bah, si. Oui. On pense aux handicapés, nous on fait le recyclage, ouais, donc on garde tous les bouchons. Donc, et ça, ça va donc dans son entreprise à elle, et puis après c'est parti dans ton entreprise. Ça va chez moi au boulot. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est pour la collecte des bouchons. Des bouchons, et puis comme ça, ça part pour les sièges d'handicapés et autres. Et voilà. Autres. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout, bon. Tu cumules plus de saloperies comme ça dans la maison, je suis pas d'accord. Si. Non. Si, si. Non. Ils aiment bien avoir les avis des produits finis, c'est bien. Ouais. C'est pratique. Alors, faudra qu'on prenne des produits qu'on n'aime pas en fait. Bah ouais, mais je les garde moi, tous les produits que je finis. Oh, pas tout, non. Après, les produits qu'on n'aime pas, on va pas les acheter. Bah oui, mais il faut quand même montrer parce qu'on peut. Mais peut-être si t'aimes pas, tu vas pas acheter. Non, c'est sûr. Ah non, 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 je suis d'accord, mais bon, on peut peut-être tomber sur les produits qu'on n'aime pas. Bah, on le dit souvent. Qu'on n'aime pas. C'est pas souvent. C'est pas souvent. C'est en rare. Général, on prend des trucs qu'on aime. Bah, donc, des produits qu'on prend régulièrement, entre guillemets. Voilà, c'est ça. C'est toujours la même chose. Hein. Après, il y a des glaces qu'on aurait pu pas aimer, mais on aime bien parce qu'on sait que ce qu'on va prendre. Bah voilà, on sait les goûts qu'on va avoir. Après, les goûts et les couleurs, c'est sûr que c'est pas pareil, c'est différent, mais bon. Mm. Voilà, c'est tout. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Tu vas te raser quand? Jamais. Dites-lui que ça lui va pas la barbe. Si, je vais laisser pousser jusqu'à là. Tu vas faire Père Noël? Non, je vais faire piquette. Mais. Ouais. Il n'y a rien. Et deux jours. Deux jours. Et deux jours. Oh non, il y a plus que deux jours là. Bon bah alors, si tu sais combien il y a de jours. Ouais, une semaine presque là. Non, non, même pas, non, moins. 3-4 jours. Moins. Ouais, pas deux jours. Non, presque. Trois. Voilà, pas plus. Trois jours. Et trois jours. N'importe quoi. Je suis fainéant du rasage. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça me saoule. C'est chiant. Je veux laisser pousser, mais elle n'aime pas, ça pique. Ah non, ça arrache, laisse tomber. Après, j'ai plein de boutons partout. Pour deux fois que tu m'embrasses. T'as fini de te plaindre un peu là. Quel numéro vous connaissez pas, c'est le mien. Tiens, on a parlé biquette. C'est pour ça que je vais dans le terrain avec elle là. Ça va bien là-bas. Avec les biquettes. Ah non, elles sont tout le temps en train de gueuler, j'en ai assez d'une, hein. C'est bon, pas besoin d'en avoir deux, trois. Non, c'est mort. Bon allez, on vous laisse. Hein. Ouais. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre des commentaires si vous désirez. On y répondra. Tu y répondras parce que moi j'adore les lire. Et répondre, après j'ai peur de faire une gaffe, donc j'évite. Parce que moi je suis... Non, je réponds, ça arrive souvent que je réponds. J'ai déjà vu, des fois j'ai pas eu le temps de répondre, t'as répondu, donc bah, raison. Ouais, hein. Mais des fois il y a des trucs... Ah, j'ai dit non, faut que j'intensifie ma connerie, mais non, je m'abstiens des fois. Donc je lui laisse le plaisir de répondre à ça, certains commentaires. Pour ça, je reste sobre. Je reste très sobre. Ouais. On va vous mettre plein de vidéos là, il y a Swap qui est arrivé tout à l'heure. Mon portable il est plein, j'ai 5 vidéos dans mon portable, il en a marre là. Il y a des hauts d'action, des hauts de nose et le produit fini. Donc voilà, vous allez être bombardé de vidéos, je crois, d'ici demain. Vous allez prendre cher. Vous allez faire surdose de nous, je suppose. Et ils vont nous dire stop, on arrête. On arrête. Ouais. Ils sont saoulants ces deux-là. Ne vous inquiétez pas. Non, on va pas arrêter. Non, mais c'est par contre, il y a des gens qui ont demandé des vlogs. Il faut qu'on fasse plus souvent des vlogs. J'ai plein de vidéos que je dois faire le vlog. Je les cumule. Donc vous aurez peut-être un vlog d'un mois. De retard. De retard. Je précise. Non, du mois de. Ah si, fin juillet. C'est ce que je viens de dire. Gros, de retard. Ouais, ça, ouais. D'un mois. Donc ouais, d'un mois. De l'autre à cette période-là. En fait, si tu veux être bien, il faut que tu en fasses un là pour faire le lendemain. Voilà. Et ainsi de suite. Le lendemain qui fasse mais tu sur fais le lendemain. Un par jour. Ah, pas possible. C'est la routine. Ouais, après, non, c'est une routine. C'est une routine. Puis, mais justement, si tu viens de dire ça, il y a des gens qui vont demander notre routine. Bah, si vous voulez, on peut faire une routine, mais on va Pas moi au réveil, hein, parce que moi non, pas je vais déjà diffuser tout ce que j'ai là. Une fois que tout sera à zéro, on vous fera un vlog de routine, si vous voulez, sur une journée. On fera chacun sa vidéo et on vous mettra la vidéo en même Quand temps. Quand je vais au taf aussi. Ouais, tu feras ton blog et je ferai le mien, comme ça ils verront notre routine habituelle. D'ici, ça sera la rentrée, donc ça sera une petite routine autrement. Ouais, ouais. On peut essayer, on verra bien. Est-ce que ça vous intéresse déjà? Ouais, dites. Dites-nous et puis si ça vous intéresse, on vous mettra une journée type chez nous. Vous allez vous ennuyer. Ah, faut qu'on fasse un vlog quand il y aura Aurel aussi. Oui, on vous fera voir quand... Il y aura donc une de nos abonnées qui descendra nous voir. Parisienne Make-up, son mari, et puis les enfants, ils descendent nous voir. Donc on fera une petite vidéo ensemble, comme ça vous allez connaître un petit peu plus Parisienne Make-up pour sa vidéo.
On lance un peu plus de pub. Il y a aussi il y a Ange-Marie aussi, ACMR. Oui, ACMR Marie. Je sais pas, moi c'est Marie parce que je me suis fait engueuler au téléphone la dernière fois. Ah David, pourquoi tu m'appelles Ange-Marie ? Marie tout court, ok ? Marie ? Marie tout court. Il y a pas mal d'abonnés avec qui on discute souvent, donc ouais. Voilà, ça donc, fait toujours plaisir. On a rencontré des Oui, on a déjà rencontré personnes des personnes. Aussi. Il y avait Edwige quand même, et son mari. On a eu son ami aussi à Edwige. Oui, il y a la dame qu'on a rencontrée à Noz aussi. Il y a plein de gens. On a eu une personne aussi Sabrina, du Maroc. C'est... Du Maroc qui était venue aussi à Val d'Europe. Angelina ou un truc comme ça, je sais plus. La dame qu'on a rencontrée aussi qui venait du Maroc. Tu m'as dit qu'il y a une dame qui habite pas trop loin de chez nous là. J'ai... Tu m'as dit, il y a une dame qui habite pas trop loin. Le monde de Piyout, Oui. Oui, elle est dans... Dans le 77, tu m'as dit. Ouais. Il va falloir qu'on se fasse une petite rencontre. On va aller la faire chier aussi. Ah, Piyout, on va t'embêter. Aussi, on va faire ça. On va aller la voir un jour. Je pense que, je sais pas, si ça serait bien de se donner un rendez-vous dans un restaurant avec plusieurs personnes, des abonnés ou autres, qu'on fasse un groupe, groupir dans un coin, comme ça, chacun... garde son adresse personnelle parce que si tout le monde ne veut pas partager, ouais, non, c'est sûr, je comprends ouais. Tout à fait, nous aussi on garde notre adresse, on la donne très peu et ça serait pas mal ça, à tester. Bon, à part ceux qui sont loin parce que alors, nous on habite déjà dans le 51, nous, c'est déjà pas mal, on peut se déplacer encore jusqu'à Paname, encore Paris au pire, une heure et demie de route c'est pas très grave, au pire on peut le faire, on l'a déjà fait pour aller voir Edwige, on a mis une heure à peu près, une heure et quart Donc voilà, on peut se déplacer, il n'y a pas de souci. Voir si ça vous intéresse, ouais, dites-le nous. Et on peut se rencontrer dans un coin sur Paris ou 77, comme vous voulez. Attends, y a combien de jours cet hiver. Jusqu'à Ponto, il y a quoi? Il y a 40, non, il y a 50 minutes. Il y a une heure déjà. Il y a une heure. Non, on peut se faire peut-être 2 heures de route, c'est pas gênant pour une journée. Pour un après-midi, c'est pas le souci. Hein. Ouais, non, nous, la route, ça nous gêne pas. Nous, ça nous gêne pas de se taper 17 heures de route dans une journée pour aller en vacances, hein, vous n'y étiez pas. Donc, pour aller voir des abonnés ou se rencontrer ou autre, il n'y a pas de souci. Hein. Mmh. Bien au contraire. Mmh. Encore au café, vous avez vu, il dit. Ouais, c'est pas très bon. Oh, il est 7h20. Ouais. Et... Ouais. Oh, 19h20, je veux dire, je suis encore au café. Oh, oui, il n'y a pas de souci. Donc, réfléchissez. Si ça vous intéresse, bah, faut qu'on voie ça, qu'on mette ça en place. On fera un direct et puis on mettra en place ça à ce moment-là. Je sais qu'il y en a une qui serait intéressée, c'est. L'audace, Nadia. Ah oui, Nadia Love, oui. Nadia Love, donc je pense qu'elle serait intéressée. Ouais. Et je pense qu'il y a d'autres personnes aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, Arrête avec ton nom, pas de soucis, sinon il n'y a pas de soucis, je vais te mettre une fessée. Donc voilà, tenez-nous au courant si ça vous intéresse. Tu veux boire un peu? Je suis sûr que quand tu bois, en général, tu parles bien. Non. Donne un bout de café. Il n'y en a plus, vas-y, bois. Ah, il y en a plus. Encore une gay price. Donc voilà, dites-nous si ça vous intéresse et puis on mettra ça en place à ce moment-là. Et puis on se fait une journée, dans un coin, on se rencontre, dans un coin, je sais pas où. Ouais, dites. Dites-nous, voilà. On a combien de kilomètres pour aller jusqu'à Paname? Je sais plus. Je crois qu'on met 1h30 passée, enfin quand il n'y a pas de bouchon. Quand il n'y a pas de bouchon, ouais. En fait, les bouchons, on les a très tôt. Si on arrive sur les coups de 7h... Ah, on est mal barré, 7h, on est en plein dans les bouchons. Arrête avec ta main. Je vais m'endormir, ça y est, il est parti. 7h. 7h, t'as déjà dit 7h. 50, après on est encore... Bon, bah, 100 km, c'est bon encore, c'est faisable. C'est pour l'après-midi. 100 km autour de chez nous. Non, mais on le fait pour Alexis l'après-midi, on n'a pas de soucis. Hein. Quand il n'y a pas d'accident de bouchon... Non, l'après-midi, mais par contre le matin... Non, mais si on prévoit une journée, c'est une journée, voilà. C'est... enfin, une après-midi, on mange le midi, on se rencontre, et puis voilà. Ouais. On sort de pique-nique, s'il fait beau... Ouais, même un pique-nique, on s'en fout, hein. Au restaurant, au pique-nique, comme vous voulez. Au resto, à McDo, au KFC, ce que vous voulez, au pire, on réserve un coin... Et c'est pas la peine de s'habiller chic-chic, hein. Un chinois, ce que vous aimez... Ouais. Ah ouais, un chinois, ouais. C'est pas bête, ça, un chinois. Donc voilà, on se fait ça et puis on prévoit. Ouais. Vous si dites, ça vous intéresse. Vous dites, et nous, on vous suivra. Entre guillemets, on va les suivre. Hein? Allez. On va vous foutre la paix. Attends, il reste encore quelques secondes. 30 minutes, attends, c'est pas mal. Attends, ils vont être saoulés déjà avec toutes les vidéos. Non, mais non. Mais non, ils nous kiffent, les gens. Ils nous l'ont dit, ils nous kiffent. Bah allez, on y va parce qu'on n'est pas en direct, c'est enregistré quand même. Ah mince. Ah ouais, quand est-ce qu'on lance un direct? On avait dit quand? On a déjà fait un l'autre fois, on verra au moins. Ah, mais là, c'est loin. Après, t'étais toute seule. Non, j'étais pas toute seule, t'es venue la deuxième fois. Ouais, mais après, pour la deuxième fois, mais la première fois, on l'a pas fait.
Donc on verra le direct pour la rentrée, justement pour l'histoire des rencontres en même temps, et puis on verra ça. Ok. Allez, on vous fait de gros bisous. On souhaite une bonne soirée. Parce que je ne sais pas si tu vas le diffuser demain. Là. Oui, ouais, je vais essayer de tout mettre ce soir. Ah ouais, je me débarrasse. Bah, maintenant, c'est bon, il y a 30 minutes et toi. J'ai vu de la téléphone. Et voilà. S'il y a un problème de son avec le swap que j'ai diffusé, j'ai pas de problème de son, donc je sais pas. C'est Action Directeur qui fout le bordel ou c'est YouTube? Non, c'est YouTube qui fout peut-être, le bordel. Ouais, je sais pas. C'est peut-être YouTube. Mon réseau aussi qui déconne, j'en sais rien. Ah bah nous, SFR en ce moment, c'est une catastrophe. Plus de Wi-Fi. Diego! Plus de Wi-Fi, donc on a changé la box. Enfin, ils ont changé la box et puis résultat des courses, bah, c'est pareil. Le Wi-Fi n'arrête pas de couper toutes les deux secondes, ça devient pénible. Pénible de chez pénible. Ouais. Bon, allez, on vous laisse. On vous fait de gros bisous. Pouce bleu, abonnez-vous. Commentez. Et puis on vous dit à très 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 bientôt. Ouais, et vous inquiétez pas, j'oublie pas ce que vous m'avez demandé de faire. Ok. Habillé en robe et tout le machin avec des talons. Ah là. Talons, non, peut-être pas, c'est pas possible. Pas parce possible, moi j'ai pas 40... des talons de 44, non. Moi je fais des 43, donc ça va être un peu short, je vais avoir mal au yep. Il va me bousiller mes chaussures, c'est même pas la peine. Il va mettre un doigt de pied, il va pas rentrer dedans, donc c'est pas la peine. J'ai pas des pieds, je fais 43. Non, 40... mais en largeur, je te parle, t'as des pieds d'homme. Hein, pas des talons, au pire en tongs si vous voulez, pas de soucis, mais non. C'est pas possible, les 43, il y en a pas. T'as plus de robe. T'as plus de robe? T'en as plus? Si, t'en as acheté une en même temps que ta fille. C'est où il n'y a pas de brassière, là, juste le truc autour. Tu n'avais pas acheté une comme non, ça tu... Je picrasse à la tif, je m'en branle. Je m'en branle. Oh. Pas bien. Je kiffe, elle me maquillera. Ah non, c'est toi qui me maquillera, tiens. Parce qu'il y a des gens qui ont demandé. Ouais. Je mettrai la touffe à touffe. Touffe à touffe. Eh ben, ça promet. Ça promet d'être marrant. Ben, ça s'en va tout de suite. Hein. On verra dès qu'on a un trou, on fera ça. Ok. C'est pas de mal à veille quand elle le dit pour des années. Non, mais bon, on est occupé. La rentrée arrive à grands pas, donc voilà. Plein de choses à faire encore. Mais la peinture à faire, on n'a toujours pas fait. Hein. Non, avant l'hiver. Bon, allez, on vous laisse. Gros bisous. On vous dit à très 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 bientôt. Et bye bye. Pourquoi tu me montres moi à chaque fois? L'heure à l'heure. Je pars à l'heure. Bisous. Bisous à tous.